Commissaire gouvernement for liberté, hein? Monsieur Eno Zéphirin mettait en bas code 9 présumés moun qui rivaient faire un gros acte assassinat sous un avocat zami éternotan. Et bien monsieur Sayo, yo al caché directement dans un hôtel et lorsque Eno Zéphirin li gen information qui côté moun Sayo al caché, li rivé, li poser la patte sur yo, li arrêté yo et bien li mette yo en bas code. Mais qui s'est passé? C'est un dossier assassinat qui gagne directement en dedans for liberté. Gagne maître Rémi artiste qui va regarder sur l'écran et c'est lui même exactement tout neuf moun sa yo soit quelqu'un qui gagne participer ensemble avec nous yo assassiné et bien c'était maître là après assassinat ça yo mettez vraiment vrai yo yal caché. Et bien qui s'est passé pendant action ça fait maître là lui même dans un premier temps c'est un nan moun, nous capable faire connaître, yo té suspendu en dedans pour 3 ans pour que lui-même li pas participer dans conseil l'ordre des avocats du barreau de Fort Liberté. Le fait que lui-même t'a fait on sait des gros déclarations sous plusieurs médias, on sait des déclarations calomnieuses, non on sait des bon, vraiment on sait des rencontres qu'il fait qui pas gain aucun rapport ensemble avec question justice là et surtout il t'a fait on sait des déclarations calomnieuses dans médias à l'encontre du bâtonnier membre de CSPJ monsieur ou du moins maître Evans fils. Eh bien, bâtonnier ça, lorsque lui-même il t'a parlé mal contre lui-même, eh bien, on parle l'autre bagarre de fait, eh bien, secrétaire-là, il était obligé de prendre sanction contre lui-même, il était censuré pour qu'il soit capable de faire 3 ans sans que lui-même n'ait pas participé dans le conseil-là. Et depuis là, ça, il y a un paquet de tollés, un paquet de palais en pile, comme quoi que, eh bien, secrétaire général-là, nous voulait parler de maître Rémi, un artiste, eh bien, nomme ça, il doit un côté. Depuis le ça, madame, monsieur, vous prenez li, li pas capable de parler, li pas capable de dire rien, parce que tout ça qui était dans la tête, moun yo, c'est déclaration calomnieuse qu'elle te fait contre maître Evan Fistlan. Et bien, depuis le ça, la situation, il te commence à compliquer pour lui, parce que bagala, li vin pas bon. Et bien, entre temps, malgré toute gros déclaration qu'elle te fait, yo, malgré tout ça qu'elle me dit pas de dire, mais ça va arriver que des mouns qui va arriver sous lui pour qu'il soit capable d'éteindre souffle. Et bien, qui aime dire, non, moment, quand est-ce qu'elle même n'irritée, gagne un seuil de nègre, tout près, bon la kaili, yo pral assassiné citoyen bon la kaili. Et lorsque y a gigoté, ben yen ensemble, eh bien, pas gagné l'autre bagaille que même yo fait, lorsque y a cherché courir, et moun qui vient assassiner yo, yo rive, mais te venant voir yo, et lui-même l'a gigoté à terre, et assassiné ça, eh bien, la justice, en dedans, Fort Liberté, en dedans département Nord-Est, yo pas accepté. Puisque pas accepté, yo obligé la gè coucou rouge derrière yon paquet moun, yo connaît yo qui connaît capable suspect qui va faire telle action ça et gien monsieur ou du moins maître Eno Zéphirin qui a regardé en dedans qui c'est commissaire du gouvernement Fort Liberté ya, et bien li rivé arrêté madame monsieur 9 moun hier après-midi qui était 17 septembre 2024 là dans un hôtel le fait que même pour impliquer yo impliqué dans assassinat ça yo assassiné maintenant jusqu'à ce que en pile famille pile moun en pile membre famille yo en grande difficulté yo gen en pile problème et secrétaire général Baou Fort Liberté ya nous parler de maître nous parler de maître Rémi lui-même côté lié à, il pas capable de parler, c'est vrai, mais en pile moun, en de la famille, yo en grande difficulté, yo gagné en pile problème, le fait que maintenant lui-même, li pas existé encore. Et l'autre côté, amis internautes, gagné citoyen ça, qui va regarder sur écran. C'est monsieur Claude, en de la partie aider ça, son question de Claude, c'est mon joine, Claude Joseph, ensuite, vous jeune Claude, Edouard, son paquet de Claude. Mais tout simplement, Claude, ça, c'est secrétaire général parti EDEA. Parti politique EDEA. Et c'est tout ça. Qui c'est secrétaire général après Sterling, lui-même, Sterling Civil, t'es quitté parce qu'il y a un gros bif qui gagnait entre M. Claude Joseph ensemble avec Sterling parce que Fok
tout qui relève Smith Augustin levait qu'elle était participé dans ça qui gagne ah ouais ensemble avec question corruption 100 millions de gourdes en pile information fait quoi que l'État mandé ensemble avec l'autre de l'autre négio avec Raoul Pierre lui pour que le directeur et pour que le président il va rester dans poste libre. Eh bien, moun qui en dedans, yo tout qui est secrétaire, yo mandé ensemble avec Claude Joseph pour que yo capable retirer Smith Augustin qui fait partie EDA perdit crédibilité. Eh bien, Claude Joseph lui-même qui t'a déclaré pas gain à sortir de là depuis ce côté Smith Augustin, lui mettait pied et c'est là l'a toujours yé. Eh bien, mes amis, notant après toute action ça yo, Sterling pral décider démissionner et pour joindre un autre secrétaire et ses citoyens ça qui ont regardé sur écran qui c'est Claude Edouard. Eh bien Claude Edouard lui-même qui t'a gagné un mandat derrière, oui, il t'a mandat c'est vrai, il pral confirmer yon moun il pral confirmer, il t'a gagné un mandat qui t'a décerné contre lui-même vraiment vrai. La justice t'a mis mandat derrière, mais mettez mandat c'est pas un problème qu'elle a avec l'autre monde et c'est problème familial qu'elle était obligé mettre mandat. Mais jusqu'à présent côté que la justice lui-même li lagué derrière. Et c'est maman petite li même tande, et c'est maman petite li qui t'a déposé yon plainte contre lui même. Il pas de problème ensemble avec l'autre monde puisque c'est un problème familial qui lié. Et bien pas gars sorti de là lui même il dit que avec la justice il décide de capable gérer problème. Non, ça le déclare non en conférence de presse, il pas décider pour continuer by tout gros détail dans ça qui gain ah ouais avec problème familial ça, mais lui même il dit il connaît la résoudre tout problème et que pour que lui même capable river rester dans pas ça malgré en pile monde en dedans aider, yo fait comprendre ni Claude Edouard ni Smith Augustin, deux moun sa yo, c'est pas moun qui t'a supposé rete nan poste ou du moins rete nan parti politique EDA parce que yo même yo bay en pile problème. Li important tout pour qu'on capable souligner amis internautes. Non seulement et bien parti politique EDA li pas annoncé aucune mesure contre Claude Edouard. Mais quand il s'agit de Smith Augustin qui fait partie du conseil présidentiel transition, eh bien lui-même, yo tout le monde vote net en général, non aidé pour que lui-même soit capable de voyer le jeter malgré le compromis historique ensemble avec Red, yo mette yo à bord et Smith Augustin, mais tant que Claude Joseph lui-même, tant que Claude Joseph qui parle ni monter ni descendre, malgré le dernier indiqué, là ensemble avec Claude Joseph, joue les joue. Maintenant on a parlé là, gagné Claude Edouard lui-même lui à bord, malgré lui-même les commandes qui descendent contre lui-même, en pile monde fait quoi que, il va la supposer non pas ça, et ben c'est même gens tout quand il s'agit de Smith Augustin. En pile moun mande non aider pour que lui capable font craser quitter ça et ça capable river dans jou k'ap vini nos amis internautes ou pas attendre aider ou pas attendre Smith Augustin non parti aider encore parce que pour en pile observateur qui en dedans aider mais Smith Augustin li fait honte parce que là il représenter aider non style corruption au lieu que pour ta aider parti a chanté pour ta aider. En tout cas situation lui même c'est comme ça que lié longtemps l'on connaît en pile monde a aider et pourtant au lieu qui pour ta aider c'est propre ça fait pas régler en rien pas résoudre et pourtant parti a lui même la prend coup gagné monsieur jamaïcain qui entré en dedans pays a jusqu'à présent gain en pile question qu'a posé. Est-ce que monsieur Sao vient régler yon bagay tout bon vri? Est-ce que a bien différence entre Jamaïcain yo ensemble avec policier Kenya? Question sa yo, yo a posé. Madame, mademoiselle, dit monsieur, il est important ou même pour connaître est-ce que d'après ou même monsieur Sao yon vient régler yon bagay qui est important. Mais dans le commentaire là, fait nous connaître exactement est-ce que d'après ou même ou pensez Jamaïcain yo y a porté soutien yo ensemble avec police kenyan yo. Est-ce que kenyan yo y a porté solidarité yo ensemble avec kenyan yo? Est-ce que yo tous les deux pral faire un seul ensemble avec police nationale là pour gagner un mariage entre police et population et puis pour que capable aller vers l'avant de la étant pour capable déraciner depuis ces gangs qui a bail problème dans pays d'Haïti et même gens tout gagner opération qui commencé en dedans belle là
commencé à bafouiller, commencé à bafouiller, gagné qui a caché, gagné qui a couru, gagné que la police pété ziseo et en pile là-dedans tout fait qu'on aime. C'est pas policier qui en dedans chaillot, mais de préférence son série de bandits qui en dedans Solino, et bien la police li prend, li mette en dedans chaillot pour capable vinn goumen envers. Dans commentaire là, fait nous connaître. Est-ce que c'est un de vrai policier ou du moins est-ce que c'est bon dit? Est-ce que opération ça l'a capable arriver à bon point parce que nous connaît population y a besoin pour la sécurité. Nous content pour te présenter une vidéo ça, rester connecté avec tous les internautes. Il y a une façon capable toujours bien informé de tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Tant que l'autre bord de l'eau, quand pour nous-mêmes, nous chaper pour nous croiser dans l'autre émission. Ciao et à bientôt. Équipe Afrin, bon femme dans Dimasia, dans le consulat à New York, femme ça achète un Lamborghini. Un Jeep Lamborghini pour un jeune garçon qui a un diplomatie qui a fait bagarre ensemble avec lui. Oh! Les noms sont là. Vous écoutez, oh. Matin débat. Non, ça est privé, Louko. Un des mon frère est privé. Bon, c'est l'argent diplomatie, c'est l'argent pays qui a gaspillé, est privé. C'est l'argent pays qui a gaspillé, c'est privé. Il y a ancien petit général de l'armée d'Haïti qui est en diplomatie. Petit ancien président général qui est en diplomatie. Depuis longtemps, depuis siècle, des siècles. Il n'y a pas de changer. Non, il a fait bon travail. Il y a des familles, anciens présidents qui est en diplomatie, qui va en changer. Là, on ne va parler seulement, madame, monsieur, de consulat New York. On ne va pas parler d'aucun autre côté. On va parler de consulat New York. Petit ancien sénateur, dans le consulat New York. Cousin ancien sénateur qui est dans le consulat New York. Cousin, mais qui est dans la question de sécurité qui est dans le consulat New York. Oui, mais c'est tout dépend de qui ça fait. Qui ménage, cousine, madame, ancien ministre qui est dans le consulat New York. Ben là, regardez. Capture l'argent. Ancien chef de la police, capture l'argent dans le consulat New York. Qui va mal travail? Madame chef de la police qui a touché l'argent dans le consulat New York qui parle mal travail. Ancien ministre affaires étrangères qui dévalise l'argent dans le consulat New York. Mais pas de gêne, ça, c'est le public, ça, le public va tout dire. Pas de gêne que si Edmond Bouchit, ancien ambassadeur d'Haïti, ok, Washington, si États-Unis te décrété le persona non grata, Edmond Bouchit, madame, monsieur, par exemple, Guy de Gonza, ancien ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas qu'à mettre pied à l'États-Unis après 10 ans. Ouais. États-Unis te décrété le persona non grata. Le scandale l'argent, le scandale l'argent, on employé dans le consulat à New York, là, te mettre dans une boîte FedEx pour transférer par un monde en Chili. Oui, nous tous te connaissons ça, Baïsa, nous. De son côté, Joseph. Yeah. Ah ben, yeah. Scandale là, ça, c'est l'idée de faire que États-Unis décrété, ok, Edmond, ancien ministre des Affaires étrangères du pays d'Haïti, persona non grata, qui actuellement en Haïti, il n'y a pas mettre pied aux États-Unis qu'après 10 ans. Ancien madame député, ancien madame sénateur, a touché dans le consulat New York. Il n'y a pas que mal travail. Ancien secrétaire général de la primature. Mais tout le monde pas yo, donc dans le consulat New York, il n'y a pas vraiment de travail pendant la tête. Bon, nous allons dire là. Où d'abord fait que vous prenez là? Quel est Maritza Posi? Qui est-ce qui Maritza Posi? Son monde qui était dans le camp par Jovenel Moïse. Jovenel Moïse était metté dans le consulat. Ok. Il était dans le salon diplomatique en Haïti. Et puis, il voulait le consulat New York. Madame arrive dans le consulat de Matéda tout. Dis-moi combien de deux mois, non? Chaque passé, Maritza en écrivait. Quand il propose le travail, parce que comme jeune femme dynamique, il la mettre l'autre. Oh, le Maritza arrive dans Matéda tout. Lui, je veux deux coups privés. Deux coups privés. On compte que l'argent déposé sous compte privé. L'argent consulat a déposé sous compte privé, Mounio. L'argent a déposé sous compte privé, Mounio. Là, je vais déposer sur notre compte. Mais jamais sous compte celui-là. Là, lui-même, il n'y a pas de job, lui, comme jeune femme l'a fait travailler. Oh, que ma tête à toute. Chien, là, je vais manger. Je mange. Oh, Maritza, là, il y a des dossiers de tout le monde de fond sous dol. Et que il y a ce mal tendel. C'est parce que Maritza arrive dans le consulat, elle a pété l'ordre. Lui, il vient, que ma tête à toute, il vient au système.
Moun qui a volé l'argent, l'argent passeport, mais deux côtés mettre l'argent sur le compte privé. Monsieur, Père Martin, notre diplomatie, oui. Là, c'est pas. Là, on va pas l'ouvrir Martin Batout tout seulement consulat à New York. Et ça, c'est une pratique parce que dans tout consulat que Haïti gagne à l'étranger. Mais... l'argent qui a déposé sous compte privé, madame, monsieur. Père Martin, madame, monsieur, je ne vais pas dire mal. Mais tout le monde est là. Tout le monde est là, net là. On choisit pas ces noms. Mais madame Dupuis, soit mettez l'autre net, soit fait net. Ou pas qu'à faire, et puis qu'on partit qu'à victime, et puis qu'on partit qui là, ok, et y a un vote, y a un meilleur, y a fait vote, ok, et puis y a un jeu croisant sur eux, et puis tout ça fait sur deux pays d'Haïti. On ne peut pas faire ça à ce pays, non. Voilà, monsieur, nous ne pouvons pas faire ça à pays. Nous ne pouvons pas faire ça à pays. Et ça fait un mot du permanent dans tout. Ouais, question du diplomatie, c'est un spaghetti. Et soit bon quantité de monde qui est dans la diplomatie, demandez combien de monde qui forme, qui vient un diplôme dans comme diplomate. Ou pas venir au paquet. Ou pas venir un très fort pourcentage. Eh ben, des gens qui ne connaissent pas, même dans la diplomatie. Et puis je dis à mon frère, qui est dans le système, non? Et puis, qui a bouillé l'argent de l'État. Bon, il faut fouchette moi un spaghetti, non? Dégagez, vous faut information. Information. Et sous question diplomatie, là nous avons toujours été dans New York. Nous allons regarder les chiffres. Et avant d'entrer dans les chiffres, là, nous avons demandé pour le ministère des Affaires étrangères de payer personnel diplomatique. Là. Vous écoutez, maintenant, oh, ouais. Depuis tout le temps. Madame Dupuis, payez. Madame Dupuis, dégagez. Madame Dominique Dupuis, dégagez. Pour payer personnel diplomatique là à temps. Yes. Parce que diplomatie, jusqu'à présent, il y a des gens qui ont 8 mois ou pas touché. Comment nous savons? Le quoi, il faut qu'on fasse là à temps, non? Bon, je ne connais. En tout cas, si nous-mêmes nous la posons. Bah, si, non, mais écoutez, nous-mêmes qui parlons à tout. Nous-mêmes qui parlons à Fok, nous connaissons l'anglais, c'est des gars de journalistes qui ont expérience, nous avons pile temps bagage. Nous connaissons combien d'années. Combien de temps yo doué moun sa yo? Vous comprenez ça? Administration lou. Maintenant, c'est pour commencer à payer et c'est chaque fois la payer et l'autre la passe yo a bien plus poids. Correct. Vous comprenez ça? Correct. C'est bon ou quoi? L'autre s'il pas payer. S'il pas payer. Eh bien, changement de visée fait, yo pas passer facile. Correct. Mais. Pendant que lui-même lui là. Pendant que l'île a lui-même, donc il a essayé de mettre l'autre là, pour personnel là, tout lui touché. Voilà. Parce que nous avons eu lui pas touché. Il faut qu'on capable de toucher. C'est très important. Okay. Information. On va donner deux chiffres, monsieur. On suit là, nous, on a mon cahier. Je t'ai payé cahier là. Je t'ai payé cahier là. 32 000 $ américains par mois. Par mois? Tu charges? Par mois, mon frère. Qu'on a estimé que. Là, comme consulat a parlé, par exemple, c'est un appartement, non? Oui. Donc, consulat a parlé de mention, lui, mon frère, c'est pas comme si tu as parlé de chemin à coucher, non? Oui. Ou face à moi, quand François prend dans la gueule, non? Donc, il est d'un mal, non? Oui. Quand François la gueule, ou face à moi, non, Macrel. Non, Macrel, lui! Et d'un mal, là. Parce que, quand là, c'est quand il peut être au ménage, lui, bah, il t'a chargé. Pas de problème. Je fais contrat 5 ans avec Boker. Je multiplie par 5. Oui. Par 5. Oui. 2 100 000. Pas de problème. 2 100 000. Ok. Dans 2 100 000, là, il retire 10%. Parce que Boker a payé 10% comme commission. Bon, ça va être bon. Non, mais c'est normal. C'est normal. C'est pas illégal. C'est normal. Pas de problème pour 10%. Ok. Comment ça fait pour 10%?
Valérie, comme tu es allé à 2 millions 100 000. Comment? N'attendez pas, attendez pas. Ok, les 210 000 là. Ok, 210. 210. Il y a maintenant 210 000 là, ça va séparer à 4 moun. Oh! Moi j'ai débuté commencer à parler à la moto, c'est qu'il y a moins de 210. Ah, c'est pas la réalité, hein? C'est pas la réalité, hein? 210 000 là, ça c'est pas à 4 moun. Deux anciens ministres avec l'étranger, ils ont chaque petit comme pop-up. Et puis, deux autres femmes de notre diplomatie, regardez maintenant. Pas de ministre là. Gros ami là. Hein? Pas de ministre là. Donc, le co-désir, chaque monde joue une seconde.